Détrompez-vous, ces images ne sont pas tournées dans une bourgade ou encore moins à la périphérie de Niamey, mais en pleine capitale, exactement sur la voie de l'ancienne pavée de Dar es Salaam. Dans ce quartier de la commune 2, le pont de traverse érigé pour faciliter le passage des eaux de ruissellement jusqu'au fleuve est envahi par une tonne d'ordures déversées par les riverains. Répandues un peu partout, ces immondices ont gagné du terrain jusqu'à venir joncher sur la voie routière. Et avec l'installation de la saison des pluies, le passage risque d'être complexe pour les habitants car le principal canal d'évacuation des eaux est littéralement bouché par ces déchets. Une menace qui requiert une réactivité de l'arrondissement communal Niamey 2. Outre menace à prendre en compte, la santé des habitants, altérée par la présence des immondices, sans oublier d'évoquer un risque de submersion susceptible de favoriser des glissements de terrain ou la perte totale de logements situés près de l'ancien pavé de Dar es Salaam.